Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Alors, le temps nous est compté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Avec le chevalier purificateur et les quatre prodiges à vos côtés, vous serez bien entouré, votre alliance. Et oui, c'est un jeu d'action pur jus, un musou comme qu'on dit, un aka Dynasty Warrior, un jeu que tu tapouches, tapounes dans le tas pour éliminer des hordes d'ennemis. Hein? L'action se déroule donc 100 ans avant les événements de Breath of the Wild, l'excellent jeu de lancement qu'il y avait eu sur la Nintendo Switch. Là, on veut savoir qui s'est passé avant ça dans cette lutte. Pour Hyrule, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Le royaume, le fléau, Zelda qui a des problèmes, les amis qui vont l'aider, qu'est-ce qui va se passer à travers ça? Ben, c'est ce qu'on découvre un peu dans le jeu. Puis c'est assurément la grande force de Hyrule Warrior, l'ère du fléau. C'est de découvrir tous les événements en lien avec Breath of the Wild. Les tours, tu sais, quand on arrive dans Breath of the Wild, on voit les grandes tours. Ben là-dedans, on voit une popée. T'es comme, ah, oh, OK, c'est le même. Les gardiens, les grosses créatures, là, super big, les quatre trucs, les grosses divinités, les grosses machines. Tu les vois là-dedans. C'est super impressionnant. Puis c'est vraiment l'aspect le plus intéressant du jeu, je trouve, quand même, à travers tout ça, c'est de voir justement les créatures divines, tous les bonhommes qu'on voit dans les autres places, de revisiter ces lieux-là, mais d'un autre œil. C'est super intéressant. OK? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est un jeu d'action hack and slash, machin truc, que tu fesses dans le tas. Premier constat qu'on fait quand on lance le jeu d'ailleurs, on se rend compte que les contrôles ne sont pas super précis, puis ça va être de même pas mal tout le temps, à travers les dizaines d'heures de jeu plutôt. J'ai vu du monde qui se sont rendus même du 75 heures, dans du 60 heures à tout trouver, du 50 heures, j'exagère à peine, mais tu avais beaucoup d'heures de jeu. Okay? Tu peux péter facile de 30 heures à rien là, avec ça, dans ce jeu-là quand même. Fait que tu en as du contenu riche en tabarouette, plus que ça. Vraiment beaucoup, beaucoup d'heures de jeu à passer là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Okay? Puis c'est tout des affaires que tu vas débloquer au fur et à mesure. Fait qu'on s'entend que quand ça fait 25-30 heures que tu joues dedans, ben, les contrôles, tu les trouves pas si pire. À un moment donné, tu pognes la twist. Okay? Mais je vous dirais là, que ça prend là, une bonne heure de jeu là, avant de commencer à sentir un certain confort puis s'habituer un peu de c'est quoi les combos. Parce que c'est très basique. Là. La prise en main comme telle de base, c'est X pour frapper, Y pour frapper. Fin. Okay? Ça, c'est comme la base comme telle là, de ce que tu peux faire avec ton bonhomme. Mais tu apprends assez vite. Tout est expliqué au fur et à mesure. Tout est en français, d'ailleurs. Ça, c'est très, très cool. Niveau de difficulté, juste correct aussi. Il est juste, il est correct. Pas frustrant, rien. Mais là, maintenant, tu découvres qu'à longue de faire différents trucs, tu as débloqué des combos de plus, des attaques de plus, mais toujours avec le combo XY. Fait que c'est pas très compliqué. Puis, tu te rends compte aussi qu'il y a la fameuse tablette Sheka qu'on avait vue dans Breath of the Wild qui donne accès à des pouvoirs spéciaux, OK? Fait que genre, mettons, la bombe, tu sais, la bombe à distance que tu vas pitcher pendant un certain temps, tu vas pitcher plein de bombes sur les paquets d'ennemis qui sont autour de toi. Tu peux les enchaîner, comme on avait vu dans le jeu aussi, dans Breath of the Wild. Tu sais, c'est comme un cadenas jaune, là, pching, les bonhommes sont jamais. Ça fait ti-ti-ti-ti-ti-ti, puis ils mangent une volée, ils se libèrent. Tu as la glace pour faire un genre de cube de glace, tu voles dans les airs, là, ton espèce de planeur pour te diriger après ça puis aller plus loin. Ou éviter un tir ennemi. Puis, tu as ton aimant pour attaquer, agripper, mettons, des trucs magnétiques. Comme il y avait un ennemi qui avait des bombes en métal. Fait que j'attirais la bombe avec l'aimant, puis je le vargeais avec, tu sais. Fait que ça, c'est très, très cool, très satisfaisant qu'il ait rajouté ça là-dedans aussi, tu sais. Puis ça, tu l'as pratiquement au début, OK? Fait que tous les personnages que tu peux contrôler là-dedans, il y en a un paquet, tu sais, Impa, Zelda, Link. Il y a des personnages surprises, tu as les quatre grands qu'on avait vus dans les autres jeux aussi, dans Breath of the Wild, tu sais, pour vous donner un petit indice un peu, tu vas dans la cité Gerudo qu'on a vu dans Breath of the Wild, tu as le village Piaf avec le guerrier Revali, tu as le mont de la mort avec Daryl, le héros Goron, tu as le domaine des Auras avec Mipha, la princesse Aura, mais tu sais, c'est cool de retourner là, parce qu'ils ont vraiment fait les lieux pareils. Pas tout pareil, mais ça ressemble quand même pas mal. Tu reconnais des places. Comme quand j'allais dans la cité Gerudo, je voyais le marchand là-bas, l'escalier pour monter à la salle du trône, la façon que les pièces étaient divisées. Dans mon souvenir, ça semblait à ça pas mal. Avant d'arriver à la cité Gerudo, je me rappelais dans Breath of the Wild, si tu pars à gauche dans le désert, tu finissais par trouver un genre de structure un peu bizarre. Puis c'est là qu'il y aurait eu normalement la créature divine, l'espèce de gros éléphant, là. Il était là normalement, tu sais, dans le jeu. Mais là, tu es 100 ans avant, fait qu'il n'est pas là. Il existe. On le voit d'ailleurs dans ce bout-là, on les voit tous. Mais
c'est pas le même contexte, tout parce que c'est 100 ans avant. Fait que cet aspect-là, de retourner là quand t'as tant trippé, moi, Breath of the Wild, je l'avais fini, tu sais, j'avais pas tout trouvé les patentes, parce qu'encore une fois, je parlais de dizaines d'heures dans l'ère du fléau, ben dans Breath of the Wild, c'est encore pire, ok? Il y avait encore plus d'heures à faire. Mais c'est ça, c'est cool en tabarnouche de retomber là-dedans, de voir les super belles cinématiques qui vont te raconter des trucs en lien avec ça, d'apprendre des petits punchs un peu. Zelda qui est torturé, de la misère à sortir ses pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? En même temps, tu peux l'utiliser quand même dans le jeu puis te battre avec, là, tu sais. Mais les bonhommes, c'est cool parce qu'ils ont toutes une prise en main différente. Quel que soit le personnage, les attaques spéciales, les attaques de base, puis tout, ils ont tous des trucs ultra stylés. Puis d'ailleurs, je trouve que tous les coups que tu vas faire, les combos, les fins de combos, tu sais, quand tu vas achever un ennemi, patlar, avec le coup fatal, il dit paye sur X, là, tu vas faire un coup fort, paf, là, il va le rachever. Puis c'est tout le temps stylé. Il y a un genre de petit effet, là, je ne sais pas comment l'expliquer, là, un genre de petit. Tu sais, mettons dans Instagram, là, puis tu choisis un filtre. Ben là, il prend le filtre, mettons, low-fi, là, on a fait le même. Puis là, ça vient comme plus foncé, là, puis là, pige au ralenti, ça flash au bout. Puis on met comme un petit effet aussi zoom-in, zoom-out, quand le personnage est proche de la caméra ou plus loin un peu, s'il est adossé à un mur, mettons. Puis j'ai pas eu de bug, d'ailleurs, de caméra là-dedans. Puis quand, au pire, tu vois pas ton ennemi, le truc, un truc, ben tu pitonnes sur X, en fou, puis à un moment donné, tu vas sortir du trou parce que tu vas refesser une bébite, puis tu vas avoir sorti de là. Pas très, très compliqué, OK? En même temps, il y a plein de murs invisibles. Contrairement à Breath of the Wild, où tu pouvais grimper partout, justement. S'il y a un mur, tu peux faire un double saut. Tu fais pas ça, volte-face. Tu fais comme jumper sur le mur parce que tu payes sur B pour éviter les attaques. Tu as la gâchette gauche pour bloquer avec ton bouclier, mettons. Mais si tu es proche d'un mur, tu payes sur B. Il va comme jumper sur le mur. Puis il va sortir son planeur. Puis il va faire un petit bout de même. T'sais. Fait que, tu sais, c'est pas la liberté, on s'entend, d'un Breath of the Wild. Même si tu retournes dans ces lieux-là, c'est pas la liberté quand même, tu sais. Puis quand tu vas rencontrer les personnages, justement, tu sais, t'arrives justement à Cité Gerudo, bien là, tu vas te mettre à cette heure à contrôler Urbosa, la chef des Gerudo, qui était d'ailleurs un de mes personnages préférés dans l'ère du fléau. Ses attaques sont tellement stylées. Elle a tellement du style avec ses attaques électriques. Puis tu sais, elle sait qu'elle est puissante, fait que c'est super trippant à faire, tu sais. Puis toutes ces attaques-là, d'ailleurs, puis ces puissances, puis ces personnages-là, t'as la grosse carte de Hyrule, qui est la même que dans Breath of the Wild, vue de haut, là, tu sais, avec les mêmes effets sonores ultra nice, les petits icônes, puis t'as un robot qui va t'aider, je vais pas trop vous en dire, je vais pas le spoiler, parce que c'est l'histoire la plus intéressante, qui est ami un peu avec toi, puis qui va te dire, hein, c'est là, faut que t'aides, c'est assez guidé quand même pour pas te perdre, là, tu sais, mais tu choisis sur ta grosse carte de Hyrule la mission que tu veux faire. Puis, c'est marqué, mettons, OK, le niveau d'expérience minimum. Tu sais, mettons, OK, là, c'est la section. Faut que tu sois au moins niveau 15 pour aller là, niveau 10, nanana, là, tu regardes, je vais être correct, je vais y aller. Tu sais, fait que ça, c'est pas pire. Puis, sur la grosse carte aussi, tu te rends compte que tu as un paquet de trucs. De trucs, encore une fois, des places que tu peux aller. Tu sais, tu as des commerçants, comme je disais tantôt, où tu peux aller acheter des matériaux. Tu sais, tous les items qui permettent, parce que tu as des places, tu vas aller, mettons, à la forge. Tu vas aller améliorer ton épée, les épées de tes personnages, l'armure, des affaires de même. Mais en fait, c'est améliorer les armes, plutôt. Tu vas débloquer, maner le teinte. Le teinteur, en tout cas. Lui qui peinture ton linge, là, au rouleau. Mais là, tu le débloques à un moment donné, il était à la même place que dans Breath of the Wild, je reconnaissais le commerçant, tu sais, quand il te prenait Link, puis il le trempait dans un chaudron, pour voir, puis il en sortait peinturé, là. C'est un peu le même principe que ça, mais sans les animations, tu sais, qu'il y avait dans Breath of the Wild, tu sais. Quand tu vas les concocter, faire de la bouffe dans les recettes, Link ne sera pas autour du chaudron, en faisant un genre de danse, en les pitchant dans les airs, là. Ça fait juste mettre les ingrédients, oui, ça fait oui. Ton ingrédient, il est fait. Puis la recette que tu auras faite, ça sera un bonus pour toi à ta prochaine mission. C'est genre plus rapide, résiste aux éclairs, résiste à ci, résiste à ça, et plus fort. Les ennemis fessent 5% moins fort. Tu peux encaisser plus de coups, des affaires de même. Ça, c'est cool aussi. D'ailleurs, tantôt, ça me fait penser. Je disais tantôt la gâchette droite, le bouton R sur ta manette Switch, le bouton L aussi. Tu as un autre genre de croix de pouvoir aussi. Mettons que tu as battu un ennemi électrique. Mais là, tu peux voler sa baguette magique électrique puis faire des attaques électriques jusqu'à temps que ta petite jauge soit vide. Quand tu es magané un peu puis tu perds des cœurs, tu maintiens le bouton à gauche, justement le L, tu pèses le piton B, ça va donner l'énergie un peu, tu vas récupérer des cœurs un peu. Tu as des patentes de même. Mais tout ça, c'est dans le fameux classique facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Là, genre. Si tu joues pas mal, tu finis par trouver à un moment donné toutes des techniques puis des cossins pour faire que tu te rends compte que le gameplay est plus poussé que tu pensais pas mal. Bon. Revenons avec ce qu'il y avait sur la map. Donc, tu as plein de zones. Tu as des zones, mettons, qui vont te servir juste à aller monter ton expérience un peu. Tu sais, genre plus basic, va tuer 300 bonhommes de même, va en tuer 600 de tel genre. Tu as 3 minutes pour toutes les tuer. Va tuer 4 chefs de patente, 4 chefs monstres, machin truc. Va tuer 6 comme trucs de même.
Tu reviens après ça, tu as ramassé des éléments qui vont permettre d'améliorer tes armes, faire des recettes, différents trucs que tu vas pouvoir améliorer après ça. Rendre des services à des villages, mais c'est juste en pesant sur une icône. Tu sais, oui, non, yes, no, toaster. Ça va donner, mettons, un cœur de plus à ton personnage de phénomène. Tu sais. Puis quand il te manque un ingrédient, ben tu vas dans un des commerces que tu as débloqué, qui est sur la carte, qui est juste un clic-clic. Pouf! Tu as rendu un service, tu as débloqué une icône de plus, tu as amélioré un personnage comme ça un peu. Mais c'est le fun, tu as tout le temps un petit quelque chose à faire. Aussitôt que tu as complété une mission, que tu as fait un petit quelque chose, tu as 4-5 icônes qui popent sur la carte de Hyrule. Là, ça fait comme, hey, encore des affaires de plus. Il y a tout le temps des trucs qui se rajoutent, mais c'est jamais paniquant. Fait que ça, c'est quand même pas pire aussi. Parce que des fois, quand on dit trop, c'est comme pas assez, là, ça ne me tente pas d'avoir trop de patentes à l'écran puis de capoter ma vie. Tu peux jouer le jeu à deux joueurs. Ça fonctionne super bien. Il y a quelques ralentis déjà là quand tu joues en solo, quand il y a plein d'ennemis à l'écran, autant en version portable que sur télé. Le jeu est quand même super beau, on va se le dire. Mais il y a quelques ralentissements. Fait que vu que les contrôles ne sont pas super précis et que tu as quelques ralentissements, ça vient pas évident un peu à gérer dans ce fouillis de bonhomme. Fait que tu fais rien que marteler le bouton X, en fou, espérer tuer le plus de bonhommes possible. T'sais. Mais c'est ça. Puis quand tu joues à deux, ben oui, tu as un peu plus de ralentissement. Forcément, l'écran est scindé à l'horizontale, un en haut et en bas. Ça marche super bien. Avant de lancer ta partie, mettons, tu es sur la grosse carte de Hyrule, tu cliques sur le stick gauche, clop, tu choisis tes deux manettes. Tu peux jouer avec, mettons, la Pro Controller, puis les deux Joy-Con fités ensemble sur l'espèce de rack. Tu peux jouer aussi avec les deux Joy-Con flippés sur le côté. Ça marche, sauf que tu as moins de boutons. Là. On s'entend, tu n'as pas le deuxième stick pour l'axe de la caméra. Fait que là, la caméra va se positionner automatiquement. Elle n'est pas si pire. Bon, on s'entend, c'est pour quand tu es mal pris puis tu veux jouer à deux absolument, là, puis que tu n'as pas les manettes. Ça fait, là, mais pensez pas plonger dans à deux joueurs à fond avec juste les Joy-Con flippés sur le côté. Là. Ça marche, là, mais c'est pas optimal justement vu qu'il manque un stick. Puis quand tu fais tes attaques spéciales, quand je disais tantôt, là, tu pises sur le bouton R ou L pour choisir un des quatre patentes, mettons l'aimant, la glace, le ci, le ça. Ben là, quand tu pèses sur ça, à cette heure, le bouton R, qui est l'espèce de petit bouton R qui allait dans le Joy-Con quand tu le flippes sur le côté, quand tu n'as pas mis ton clip sur le dessus. Là. Mais là, tu as une roue qui a 8 options. Donc pendant que tu te fais t'approcher, tu maintiens le piton, tu choisis avec ton stick une des 8 options. Puis là, tu peux, toc, OK, mettons, je vais prendre la vie. Ah, je vais prendre la baguette de feu que j'avais récupérée. C'est pas évident. Tu te fais varger puis tu te fais taponner pendant ce temps-là. Pas taponner, mais t'approcher. Me fais taponner pendant ce temps-là, j'aime pas ça. Fait que tu sais, c'est pas super. Fait que ça marche quand même, comme je vous dis, là, mais le best, t'as deux sticks. Puis à deux joueurs, ben c'est trippant. Faut se suivre, faut savoir où aller. J'en avais parlé au podcast cette semaine. J'ai joué avec ma fille de 5 ans et demi, un peu plus. Bientôt 5 ans et demi, hein, pas. Puis. Ça marche, OK, mais elle avait un peu de misère avec le 3D. Tu sais, dans le sens, pas qu'elle filait mal, là. Mais je disais, OK, suis-moi, on le voit sur la carte en bas à droite. As-tu vu le piton jaune, là? C'est là qu'il faut aller, le petit dessin jaune. Suis-moi. T'es où, je te sais pas. Puis là, vire la caméra dans l'autre sens, là, s'en va vers le mur. Je tourne la caméra. Je dis, non, va-t'en par là-bas. OK, c'est beau, suis-moi, là. Fait que là, elle me suit, on va fesser. Fait que, tu sais, ça marche, mais c'est pas top. Fait que, tu sais, je vous dirais, ça dépend du niveau de gamer, de gameritude de votre enfant. Je pense. Probablement qu'un 6 ans, un an de plus déjà là, je pense qu'elle serait plus à l'aise un peu d'être capable de se repérer un peu plus dans l'environnement du 3D. Si la caméra était automatique tout le temps, même quand tu joues à deux sticks, ça aurait été plus facile. Mais là, vu qu'elle est automatique, juste quand tu joues à un stick, vu que tu as le Joy-Con sur le côté, c'est dur un peu, tu sais. Fait que sachez-le, OK? Mais ça reste quand même que, tu sais, je pense que c'est ça. Tu as un 6-7 ans, mettons, puis tu joues à parent-enfant, ça peut être vraiment trippant pour ça. Parce que l'histoire, eux autres, ils vont s'en foutre un peu. Ils vont avoir juste du fun à t'approcher les ennemis parce qu'il y en a tellement. Puis c'est quand même assez facile, pareil, là, tu sais. Tu as des bonhommes, des fois, que si tu prends pas la bonne attaque, ils te gèlent en glace. Tu secoues le stick analogue gauche, clac, 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 gauche-droite, tu décoincé de la glace, paf, 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 on va te fesser. Puis les bonhommes, bien souvent, oui, tu peux bloquer puis te tasser pour l'attaque au dernier instant. Mais bien souvent, c'est fesses dans le tas, puis ça va finir par passer à un moment donné. Ça va aller, t'sais. Ça va bien aller. T'es mieux de juste varger dans le tas, c'est ça. Mais bon, les musiques sont cool, l'ambiance est là. C'est le fun à jouer, c'est trippant. C'est pas... je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de dire, de te replonger dans l'ambiance Breath of the Wild. Comme j'avais dit au podcast encore une fois, je pense que quand je vais avoir fini le jeu, je vais avoir le goût de repartir une game de zéro juste pour le fun de Breath of the Wild, puis probablement arrêter après 5 heures. Mais juste pour voir un peu les débuts de ça, tu sais, de me replonger un peu dans l'ambiance parce que ça m'a vraiment remis à fond dans l'ambiance de Zelda Breath of the Wild. J'ai hâte de voir le 2 en souhaitant qu'il sorte en 2021, probablement.
Mais de faire un museau à fesser dans le tas de même, ça se fait bien. Puis tu sais, de capturer les zones puis les avant-postes, je trouve que ça se fait mieux que dans le Hyrule Warriors d'avant, qui me frustrait un peu d'un fois de dire « Je m'en vais défendre tel camp, on m'appelle au secours, je m'en vais à l'autre place. Ah, viens m'aider, on est dans la merde. Ah, je m'en viens. Ah, à l'autre bout, j'ai perdu le contrôle. Les ennemis ont repris le contrôle du point ou une affaire de même. » T'as pas de ça, là. Quand t'es en train de fesser, mettons, t'as Impa, puis t'es placé en haut à gauche de la carte. Puis là, il dit « OK, change de personnage, puis va t'occuper de telle patente, tuer tel chef dans tel camp. » Tu prends la croix directionnelle, tu pèses par en bas, tu choisis, tu prends, mettons, Gerudo. Tu t'en vas fesser dans le tas à place. Avec elle à la place de prendre, mettons, le Impa, tu t'en vas les fesser là. OK, là, il faut aller, mettons, en haut à droite de la carte. Tu choisis la croix directionnelle, tu prends la ligne, toc, tu t'en vas en haut. Puis pendant ce temps-là, tu peux dire aux deux autres bonhommes que tu ne contrôles plus parce que tu les as laissés lousses. Tu peux leur donner des ordres en disant, toi, reste dans ce coin-là, sur la carte. Là. Tu cliques là, va là, occupe-toi de cette zone-là, moi, je vais rester ici pendant ce temps-là. Fait que tout le monde tient son contrôle pareil. Puis l'intelligence artificielle marche quand même pas si pire aussi. Fait que c'est cool pour ça. Bref, un bon jeu, le fun, pas pour tous. 80$, tu peux jouer 25, 30, 40, 50 heures. Ben oui, je pense que oui. Je pense que ça vaut la peine. Fait que si vous avez trippé sur le jeu, que le style mousseau, justement, de fesses dans le tas, puis tout, ça vous intéresse, mais vous êtes curieux, puis vous dites de plonger dans Zelda, ça serait cool. Oui, ça vaut la peine de l'acheter. Mais si les jeux Dynasty Warrior dans ce genre-là, de juste fesser dans le tas, puis tout, ça vous dit rien, attendez une baisse de prix. Malheureusement, les jeux de Switch baissent pas de prix très, très vite. Fait que demandez-le au Père Noël. Pour la note, oui, c'est vrai, il faut faire ça. Je vous donne la note de 8 sur 10. C'est un solide jeu, c'est vraiment le fun à jouer. Puis un coup que tu as pogné la twist, là, je vous dirais qu'après 4-5 heures, tu n'as plus le goût de lâcher la manette ben, puis tu veux continuer à jouer finalement. Tu veux en faire un peu plus. Tu joues avec ton casque d'écoute sans tête, puis tu tripes. Fait que, ouais. C'est ça, c'était Steve Tremblay, plein d'émotions du Salon de Gaming de M. Smith. Bye-bye.